me fait rire. Quand je t'ai connu, ça faisait 10 ans que j'étais contrôleur. Donc tu vois que tu racontes des bêtises pour te couvrir. Des bêtises. J'avais une Mercedes qui venait de faire un accident moins d'un mois avant de te connaître. Il était tout à fait normal qu'Eric soit là. Et j'ai loué une Jeep à 800 $ chaque mois. Ça te dérangeait parce que je payais 800 $ chaque mois. Si tes souvenirs sont bons et tu allais avec à l'école. Et j'ai acheté une ML, j'ai acheté une Mercedes compresseur grise. Tu t'en es réjoui. Donc avant d'ouvrir ta bouche, il faut réfléchir. Celui qui n'avait rien, il t'habillait à combien? Combien j'ai dépensé pour t'habiller? Il faut réfléchir. Combien j'ai dépensé pour nourrir ta famille, pour payer vos études? Moi qui n'avais rien, comment je le faisais? Réfléchis, un contrôleur de douane au Katanga, c'était pas un petit monsieur. Donc avant de parler, faut beaucoup réfléchir. Beaucoup. Qu'est-ce que tu as apporté, toi? Lorsque j'ai été muté à Kinshasa, tu as choisi de ne pas venir, tu as fui. Mais qu'est-ce qui t'a ramené à minuit dérangé pour qu'on prenne l'avion, qu'on vienne? Moi, je t'ai pas appelé. Tu le sais. Tu étais enceinte de Judel. J'allais à Cape Town pour les soins. Tu m'as supplié de te laisser de l'argent. Je t'ai laissé 300 $ chez ta tante qui travaillait à la quarantaine. Tu es allé avorter pour commencer à sortir en boîte, coucher avec Willy. Tu oublies? Le sang de Judel crie encore jusqu'à ce jour. Tu dois bien réfléchir. Hein? Avant de parler, réfléchis. Tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu es. Tu connais ta vie. Ce dans quoi tu es aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Tu es rentré dans ton eau, c'est pour ça que tu es à l'aise. Chasser le naturel, il revient au galop. Si ce n'était pas ta vie, tu en aurais honte. Je suis déjà parti, Pam. Que même la Bible dit, une femme adultère doit être répudiée. Une femme infidèle ne peut pas être dans le ménage. La Bible le déclare. Tu es infidèle. Et aucun de ces gens derrière lesquels tu cours ne va divorcer pour toi. Cherche un homme pour toi seul et j'espère qu'il aura le temps d'être mieux que tout cela que tu as connu. Tu vantes ton premier mariage alors que ce n'était pas un mariage. C'est fou, a toujours été marié et jusqu'à l'heure où je parle, il est avec sa femme. Toi, tu n'étais qu'un objet de plaisir de journée. La nuit, il n'a jamais passé nuit chez toi. Alors de quel mariage tu parles? C'est une honte, tu ne devrais même pas ouvrir la bouche pour en parler. Le vrai mariage dans lequel tu as vécu, c'est le mien. Et tu es parti en pensant qu'en courant dans les rues, tu vas trouver le bonheur. Tu es allé en Chine, qu'est-ce que ça t'a amené? Ta propre tante se moque de toi, elle raconte partout. Chine, nia, makele, le fana, makele, tu n'es rentré avec 6 perruques. Et puis, si elle-même se moque de toi, qu'est-ce que moi je dirais? La honte. À ta place, au lieu de crier, insulter, avoue. Parce que ce que tu le fais librement, c'est ta vie. C'est ton corps que tu amènes partout, tu fais ta vie. Mais pourquoi tu nies? Les faits sont là, les preuves sont là, les photos, j'ai tout. En tout cas, mon souhait, au lieu de te mettre à écrire, passer du temps comme ça, j'aurais préféré que tu gardes ces unités et ce temps pour appeler tes avocats, afin que demain on m'invite un peu en justice là-bas, qu'on aille voir ensemble avec tout le monde, qu'on regarde ce que tu es, ce que tu fais, et qu'on nous juge. Ne perds pas ton temps ni tes unités. Ces enfants que tu prétends aimer, tu es allé en Chine, tu leur as dit au revoir, tu les appelais. Tu es parti lundi, c'est samedi que nous on a su et c'est moi qui t'ai appelé. Qu'est-ce que tu nous as sorti de la Chine? Tu m'as insulté, comment Dieu t'a béni? Mais Dieu qui t'a béni, comment tu es rentré les mains vides? C'est triste. C'est triste. C'est triste et c'est malheureux. Tu es ce que tu es, je le regrette. Je regrette vraiment de t'avoir connu. J'étais connu dans la rue. Tu sais ce que tu faisais chez Oliboum. Et quand tu quittais chez Oliboum, tu venais dormir chez moi. Pourquoi? Ce que tu faisais chez Oliboum, c'était quoi? Pour nourrir ta famille. Avec combien d'hommes tu as couché à Lubumbashi? Qu'est-ce que tu n'as pas fait à Lubumbashi? Sous les fiançailles et le mariage. Tu as osé me dire, même ici dans la maison, dans notre chambre, quand je t'ai fait mettre la main sur la Bible pour jurer. Tu osais me dire, tu ne savais pas que coucher avec d'autres hommes pendant les fiançailles, c'était mauvais. Mais attends, qui es-tu? Et tu trouves que tu es une personne avec une tête en place, que tu es un modèle pour tes enfants. Non, mais moi, je garde tout ça. Les enfants savent qui tu es parce qu'ils ont vu et ils ont entendu. Le reste, moi, je m'en fous, Pam. Je m'en fous. La saleté que tu as amenée dans ma vie a pris fin à l'instant où j'ai écrit la lettre. Tu n'existes plus.
Oublie-moi, s'il te plaît, va faire ta vie. Ne m'écris pas, ne m'appelle pas. Il t'arrive de faire un mois sans voir les enfants. Et tu dis que tu les aimes? Tu habites à 3 minutes, tu fais 2 semaines sans voir les enfants. Tu dis que tu les aimes? Quand tu appelles, c'est pour 1 minute 19, 1 minute 20. Et lorsque tu prends les enfants ou on te les amène, tu vas les déposer chez tes amis, tu sors pour les récupérer plus tard. Et tu vas prétendre que tu aimes ces enfants? Des enfants que toi-même tu as enfantés. Tu leur amènes des slips. Johan n'a que 8 ans. Kenan 6 ans. Faïda 3 ans. Tu amènes à Johan des slips des enfants de 15 ans. À Kenan des slips des enfants de 10 ans. Qui ne leur vont pas. Faïda des slips. Mais tu oses même leur faire porter ça. Tu ne connais même pas la pointure des enfants. Les chaussures que tu as amenées. Ça à quelle taille? Tu prétends les aimer? Bon, écoute. Si c'est ça qu'on t'a appris chez vous comme étant l'amour, ben là je te comprends. Là je te comprends. Il n'y a pas de débat sur ça. Bonne chance dans ta vie. Chez moi en tout cas, tu n'as plus de place. Tu n'existes plus. Continue ta vie là. Et laisse-nous vivre notre vie. Je n'avais rien. Tu m'as accepté. Je t'habillais à combien? Je dépensais combien pour que tu t'habilles? Qu'est-ce que tu ne choisissais pas? Ça nous coûtait combien? Combien d'argent je te laissais même quand je devais voyager? Mais qu'as-tu fait? Je t'ai laissé la parcelle à la bifurcation au carrefour, là, en venant de l'aéroport. J'ai fait des briques. L'argent est là. Essaie de suivre les travaux. Qu'est-ce que tu as fait? Quand Franck t'a demandé, tu as dit que tu t'en fous, les enfants ont leur mère. Tu as pris l'argent pour aller donner à Patrick? N'étais-je pas attrapé avec Patrick pendant les 120 jours? Combien de choses tu as faites? Tu me mens que tu vas à l'examen. Je te trouve avec Patrick. Alors que tu es ma fiancée, j'ai déjà doté, prédoté chez vous. Je te trouve avec lui dans une fête de mariage, entre copains. Vous êtes ensemble comme des maris qui viennent au mariage. Tu me mens que tu as un examen. Tu prends l'avion, tu viens à Kin avec Paulin Mouewa, Karl Nawej et ses fous. Pour coucher avec ses fous au grand hôtel. Marié. Mais bam. Quand tu ouvres la bouche, ça m'étonne. Bon, je comprends. Hein. Tu es dans un monde d'envoûtement et de sorcellerie, c'est tout à fait normal. Mais ta vie, elle est connue. Je te l'avais dit un jour. Tu m'avais dit, hey, moi aussi je pourrais faire des choses. Je t'avais dit. Que tu les fasses aujourd'hui, ça ne sera pas la première fois, ça ne sera pas un miracle. Quel effet ça aura? Je me suis battu jusqu'à hier pour avoir les preuves nécessaires, indéniables, incontournables. Pour pouvoir prendre ma décision. J'ai écrit ma lettre moi-même hier. Ceux de Lumbashi, en principe, si DHL a été correct, ils auront ça aujourd'hui. Ils ont eu ça aujourd'hui, ils auront ça demain. Ceux de Kin, c'est demain que je vais leur déposer. Ma lettre, avec comme pièce jointe ta lettre, et comme deuxième pièce jointe, CD et flash, où toute ta vie est dedans. Les audios, les vidéos, les photos. Donc pour moi, pam. L'argent que j'avais jeté, je n'en ai plus besoin. Personne ne viendra chercher cette dot ou ce symbole. Le mariage est rompu. Parce que même cette dot risque d'amener de la saleté chez moi parce que tu as tellement souillé ce mariage qu'il vaut mieux que tu t'en ailles comme ça. Tu es pourri, c'est tout. Va vivre ta vie de pourriture. Le fossé n'est pas loin. Je t'avais dit, Dieu va t'humilier. Tu es à la porte de l'humiliation. Tu as vu ce que Dieu est capable de faire? Tu peux me l'attribuer comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Dieu connaît la vérité. Ta conscience connaît la vérité. Tu es malheureuse, pitoyable. Et c'est triste. C'est ça ta vie. Bye.